Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si c'est pas fait et à me suivre sur Instagram, c'est important, ok? Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des actus de salle de sport et de tout ce qui en suit parce que hier, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, hier, j'ai entendu que voilà, les bars, restaurants, salles de sport resteront probablement fermés jusqu'en juin, d'accord? Jusqu'en juin. On est en janvier. Alors, sur cette vidéo, on est en janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, tu vois, 6 mois, 6 mois de salles fermées. Et là, en juin, on ne sait pas, en juin, parce que j'ai regardé les infos, là, je vois jamais les infos, j'ai regardé, ça parle de variant du virus, variant britannique, variant Afrique du Sud, variant Indonésie, genre, tous les pays ont développé des variantes. C'est, je sais pas, c'est... Oh. Est-ce qu'on va s'en sortir? Tu vois, c'est ça la vraie question. Va-t-on s'en sortir avec ça? Le but de cette vidéo, il est simple. Parce que, voilà, beaucoup de personnes m'ont dit, oui, j'attends la réouverture afin de reprendre, afin de faire du sport, afin de faire les choses sérieusement. Non, c'est mort, c'est mort. Attends rien du tout. Va faire ton ordonnance médicale et t'iras à la salle, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on peut aller à la salle sous ordonnance médicale. Et si tu le fais pas, tu risques d'attendre très longtemps, d'accord? Et si les salles sont ouvertes, et tu n'es pas public prioritaire, je pense que si tu as un abonnement, ils ont le droit de te prélever. D'accord? Ils ont le droit. Parce que maintenant, tout le monde s'entraîne, tout le monde a des ordonnances, ils peuvent te prélever. Donc, tu n'as pas le choix de le faire, je pense. Là, par contre, il y a un truc que j'ai vraiment peur, mais vraiment, vraiment peur. On est énormément à être en salle de sport, à travailler en salle, à avoir fait des ordonnances. On est énormément en salle de sport, voire à certaines heures, on est blindé, on se marche dessus en salle de sport. Si les cas du virus s'aggravent, bah, je pense que ils peuvent faire une descente en salle de sport et fin. Enfin, tous ceux qui s'entraînent, c'est fini. Tu vois, on pourra plus s'entraîner, ça sera la fin de nous. Parce que là, on est plein à être heureux, à rigoler, à s'entraîner, à montrer qu'on s'entraîne, à montrer que la salle est ouverte. Mais je pense que les gens, ils savent, hein, les gens, ils voient que on est content, on montre qu'on s'entraîne. Mais je pense que si on repasse à un confinement total, un confinement, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien. Je pense que les salles de sport aussi, ils peuvent sauter. Et j'ai peur de ça, j'ai vraiment peur. Parce que beaucoup parlent de mars, reconfinement, ou dans 2 semaines, reconfinement, février, reconfinement. Si tu veux, quand tu auras les réseaux sociaux, tu as des porte-paroles du gouvernement qui partagent des « Oui, on sera confiné tant, on sera confiné tant. » Au lieu qu'ils s'occupent de leurs propres affaires, ils s'occupent de partager des informations fausses ou vraies, ou on sait pas, tu vois, et ça, honnêtement, ça me fait peur. Et je me dis que si ils reconfinent tout le monde comme avant, là, ça va être chaud. En mars, c'était chaud, c'était vraiment noir. Moi, je conseille un truc, si tu veux t'entraîner, essaye de te procurer des haltères, c'est très important, d'accord? Là, c'est la période où certains magasins de sport sont ouverts, ou en ligne, tu peux commander. Essaye de au moins avoir des haltères pour être tranquille. C'est un investissement, d'accord? Mais ça va te suivre toute ta vie, d'accord? Toute ta vie, tu auras besoin de faire un peu de sport. Tu auras tes haltères à la maison. Parce que si ils referment tout, c'est mort. Déjà, les prix vont monter. Les prix, là, ils ont déjà monté déjà au niveau des haltères. Mais si ils reconfinent tout, là, ça va tripler. Ça va quadrupler. Ça sera insupportable. Parce qu'il me semble que certains Decathlon et de Go Sport vendent plus des haltères parce qu'ils soutiennent les salles de sport, apparemment, de ce que j'ai entendu. Mais là, c'est ouvert la salle de sport, donc il n'y a plus de soutien à faire. Tu vois, faut commander, faut commander, faut commander. Il faut se préparer. De 1, si ton abonnement est fermé, coupe ton abonnement direct. Tu vois, va prendre des haltères, ça sera rentable. Tu vas faire des entraînements à la maison. J'ai fait quelques programmes sur ma chaîne YouTube ou sur YouTube. Il y a plein de programmes de coach ou de non-coach et tu peux suivre tes entraînements tranquille. Ok, si ta salle de sport est ouverte, va te faire une ordonnance médicale, d'accord, c'est important. Tu te fais ton ordonnance tranquillement, tu t'entraînes, dès que ça ferme, tu coupes ton abonnement, voilà. D'accord, si tu as envie de t'entraîner, si tu ressens ce besoin, entraîne-toi. Sachant que dans les fitness parks, c'est tranquille, niveau monde, c'est tranquille. À Honer, ça dépend lesquels, mais Honer, c'est chaud. Honer, c'est une très belle salle. Il y a des bonnes machines, c'est excellent, le cadre est super, mais il y a du monde, tu vois. Parce que voilà, c'est la qualité, c'est tout ça, c'est une ambiance particulière. Donc il y a du monde, c'est très demandé en air. Donc à toi de voir ce qu'il te faut. En tout cas, réfléchis bien, prends les bonnes décisions. Et si dans ta tête,
Tu t'es dit, j'attends la réouverture pour y aller. Attends pas, d'accord? Attends pas, vas-y, c'est mieux. Parce que sinon, tu vas jamais y aller. Et le temps que ça réouvre, on ne sait pas comment notre monde y sera, tu vois. Donc, vas-y, ou achète-toi du matériel, d'accord? Ça, c'est beaucoup plus rentable. Tu t'achètes des haltères, quelques poids, et t'es bien, d'accord? T'es bien, tu peux tout faire avec. Sinon, au niveau de moi sur cette chaîne, je continuerai à faire quelques programmes de sport, que ce soit en salle de sport, d'accord? Ou alors à la maison, histoire de proposer plein de choses, histoire de m'entraîner aussi, parce que il faut que tu m'entraînes, c'est important, faire les choses bien. D'ailleurs, là, j'ai mis un polo gris, parce que les bras, ils sont là. On a fait une petite séance bras, et c'est pas mal, c'était pas mal, c'était vraiment bien. Donc voilà pour cette vidéo. S'il y a encore des actus Fitness Park ou des sujets à savoir sur salle de sport, je referai une vidéo. D'ailleurs, tu connais, hein, les actus Fitness Park sont des vidéos appréciées sur cette chaîne. Ça me permet d'être aussi plus vu, hein, parce que l'objectif aussi, c'est de monter, d'accord, faire grossir cette chaîne, faire les choses bien. Donc, abonne-toi si ce n'est pas fait et mets un like, un commentaire si tu as vraiment kiffé cette vidéo. Sur ce, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.